Ma Mission TV, le miroir du monde. Ce qui est au yo et le combat avec la bisoté et ça la va couronnango et pour ça la bisoté et en tant que Fukami Boye n'a pas onyo sur Fukami au même moment au bitozo talanas onyo sur Fukami à taba yébite de Fukami awa basana katia pour son vaccin au nom de Jésus Christ. Nous avons la question à message n'a pas si message ma mindele ba Fukami ba soda ba Fukami. Ba docteur ba Fukami, ba président de ba mboka ba Fukami. Et tout le monde ba Fukami ba lobi ya solo, oyo problème ezalika ya genou, ya komati sans Nzambe ye moko akita. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du monde. Pwete oya seko azana likambo na bato ya mokili mobimba. L'Éternel a un procès avec les habitants du monde. Oya seko alingi ko samba na bato ya mokili mobimba. Okomona mboka na mboka na biso oyo boye na ba Afrika boye mingi mingi na ba Congo na biso boye tozomona ba mboka ezana richesse moko incroyable. Mes richesses moko tokoki ko compara ngote na tana mondo yo boye bozo mona soyi kaka mutu azui batie quelque part po sala musala ata akomi ko diriger ata akomi boye bandeko okomona mutu ayibi mbongo atondisi ata 5 chambres na mbongo ya dollars tondisi na se ozo tondisa mbongo na okomona mboka ekufi kufi. Et kufi bandeko donc ozo mona ke muto alingi ka koyiba koyi ozo yiba mbongo ko tondisa ngonda ku mobimba ba brick ba ram na bara okoti ko yomonya okoti okokufa ko tika ya mutwana ayebi bien kaza na raison te akamati raison apesi mutwana boto de pelo pan wa mutwana donc ba liepe mbongo wana ayebi bien ke makambo eza lukuta. Donc, ok, bah, juge, bah, ça, bah, représentant de Dieu, bah, magistrat, bah, ça, bah, représentant de Dieu, tant, toujours, bah, juge, toujours, bah, nous, sauter, bah, ouais, bah, banga, bah, zali, bah, ouais, bah, toto, ça, bah, zali, mais une grande partie, bah, ça, là, de façon que, bah, zo, mbongo, va faire nuire Moutou à sa raison et sa passe déjà donné qui est à nous. C'est un des mots au monde à ce qui va y être capable de faire la bataille examen Moutou Moko Moko Bako Kanga Bafé Belena Baba coronavirus. Donc pour la web, c'est bien que Zambéna Yokeli Bissoma, ce qui est Zamawan Zambété, mais scandale, merci à ma maman pour la mission africaine. Et du nouveau à Kinshasa. Le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanokakae. Amen.
Zambé a pambola bino nyoso bozana katia kolanda biso na rendez-vous topesa aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de nous suivre à ce grand rendez-vous d'aujourd'hui. Je suis très content comme on vient de se rencontrer encore aujourd'hui. Naibi ki bozana katia kolanda biso dans le monde entier, bozolanda biso na Kinshasa, partout bozolanda biso. Je reconnais que vous êtes nombreux en train de nous suivre dans le monde entier et ici partout à Kinshasa, vous êtes en train de nous suivre. Problème toyeli awa ezali problème. Le problème qui nous amène ici, c'est pour défier le coronavirus. Je sais que dernièrement, vous nous avez vus en train de prier et nous sommes arrivés même à nous jeter dans de l'eau très sale du quartier, l'eau qui amenait même les caca de tous les quartiers. Et tout cela avait comme conséquence, nous avions passé 2 semaines en train de chatouiller le corps entier. Et cela n'était pas en vain, c'est parce que Dieu nous avait donné des orientations pour que nous puissions agir de cette manière-là. Et tant que tout le monde qui est malade, du wana ibimi, ezana katia ko boma ba mindele. Or que na mboka ba mindele eza mboka biso toki melaka pona ko se soigner tozo ke na ba poto bato bazana ba moyen bazo ke na ba poto netant tozo mona ba mindele ba ngomoko bazana katia ko lela bazo ku faneti ba soso bazu maladi bazo kunda bango neti bantaba bazo kunda ba tu États-Unis en désordre biso tolobi me biso yo tozali na katia mboka salité to mesali na salité to lia kana banzinzi na bangungi na bangungi to lia kana ba salité na ba pui mai wezo bi na katia ba toilettes zo le kaliboso ba poubelle na katia nzela partout et puis ba transport ango tozo fina na ba musu ba telemi likolo ba musu ba fandi na se soki maladi e bandi ko zo ba tout lorsque nous avons vu cette maladie en train de faire des ravages chez les blancs, pendant que chez les blancs, on sait qu'il y a de bonnes conditions de santé, même ici chez nous en Afrique, lorsque quelqu'un a beaucoup de moyens, lorsqu'il tombe malade, il va faire les blancs pour prendre les soins. Mais nous avons vu que chez les blancs en question, cette maladie est en train de ravager. Les gens sont en train de mourir comme des poules. On est en train des gens comme des bêtes. Et nous, nous nous sommes dit, a fortiori, nous qui sommes ici, nous sommes en train de vivre dans des conditions très sales. Nous vivons avec la saleté. Il y a de l'eau, même des puits septiques qui passent devant nos murs. Et même dans les transports, nous entrons dans les transports sans respecter des conditions. Nous sommes entassés. Nous nous sommes dit, alors, dans telles conditions, si cette maladie entrait ici chez nous et commençait à nous tuer, où est-ce que nous pouvons y arriver? Nzambe a pensé à rappeler, en tout cas, charge, il y a rebond de là, il y a un détotelement qui lokola na yebike nazamo pona mi nzambe nazali prophète nazali ministre ya défense na gouvernement de Jésus-Christ na telemaki na lati basak na kena bazamba ko lala ko sambela nzambe pona nini likambo boyi nzambe pona nini likambo boyi nde nzamba yaki ko pesa ngai ya no apesa ngai réponse pourquoi azosa makambo ngo. Dieu a toujours confié la charge à ses serviteurs et comme moi je me reconnais serviteur, je suis prophète de Dieu, je m'avais confié cette charge. C'est comme ça que nous étions en train de prier, nous avons porté des sacs, nous sommes dirigés dans la brousse en train de chercher la face de Dieu, en train de pleurer devant notre Dieu, chercher sa miséricorde. C'est comme ça que Dieu nous avait répondu et avait exaucé notre prière en nous donnant comme solution et comme vaccin qui est les genoux. Yango sikona minute wana ndeye kosala ke Nzambe ayeko pesa nga réponse na mokanda ya Osée chapitre 4 verset 1 oyo nga na kotanga. Nzambe ayebisinga ke azali na procès na batu. Batu baza ko reconnaître les choses que Nzambe azali te. Vérité ezate mabe eleki bantu motema mabe eleki ba mindele pa na bango baza ko reconnaître sous Nzambe te bazo tala kaka mayele na bango ndenge bazo mona baza na kati ya kosaba biloko minene ba musu bazo yeba te Nzambe azali yango nde Nzambe alobi lokola mabe ekomi tro mabe koti makasi yango ndenga na zana procès na batu mais biso esiko tokoko samba na Nzambe yango nde Nzambe apesaki mokanda Osée 4 wana
C'est comme ça que Dieu nous avait donné comme réponse dans Osée chapitre 4 que je vais lire moi-même. Dieu nous avait dit qu'il a un procès contre l'humanité entière parce que chez les blancs et partout dans le monde, il y a les gens qui sont en train de privilégier toujours d'autres choses. Ils sont en train de compter sur leur propre sagesse, en train de minimiser Dieu. Dieu n'a pas de place dans leur vie. C'est comme ça que Dieu avait dit qu'il a un procès contre l'humanité. Alors nous nous sommes posé la question, est-ce que nous sommes capables de comparaître avec notre Dieu? Donc, je suis en train de parler de la vie de na ba serviteur de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu, convoitise mitema mabe kominete maya komela et tout ça nzamba lobi te trop c'est trop donc on la ba tozo reconnaître ngai susute parce que koyé ba nzambe za ko banga nzambe ce que nzamba lobi ke ba tozo reconnaître ngai susute cela veut dire ba tozo banga su nzambe te mabe leki est débordé de nzamba lobi voilà. Nous avons vu beaucoup de personnes, et surtout les blancs, qui sont en train de se marier, homme avec homme, femme avec femme. Il y en a même qui sont en train de déborder pour dire que Dieu n'existe pas. Et même ici chez nous, en Afrique, il y a la haine, la mauvaise foi qui s'est installée. Il y a la haine qui s'installe même à l'église. Il y a des poisons, la haine, la sorcellerie. Puisque là, quand on parle de la sorcellerie, c'est aussi la haine. Et même dans les chefs de soi-disant serviteurs de Dieu, ils sont en train de s'empoisonner. Ils sont en train de se faire du mal. C'est comme ça que Dieu avait constaté que sa place n'est plus dans les chefs des personnes. Il a maintenant un procès avec l'humanité. Les gens sont en train de considérer juste leur argent. Ils sont en train de privilégier les maisons. Ils sont en train de compter sur eux-mêmes. Ils sont en train de se taper la poitrine, minimisant Dieu, ne reconnaissant plus la place de Dieu. C'est comme ça que Dieu avait dit, maintenant vous allez voir, j'ai un procès avec vous. C'est comme ça que vous aurez maintenant des cas de décès et des deuils seront partout sans précédent. Il y a un exemple à Pessa qui, Mokanda, wana après ma prière rebellée, Kola Tabasak, Kola Lanase, Kosambela, Nzambe, Ayoko Pessa, Biso Mokanda, ya Osée 4, wana na koko tangango. C'est comme ça que Dieu nous a donné ce chapitre ici de Osée chapitre 4. Après avoir beaucoup prié, après avoir porté beaucoup de sacs, se jetant la cendre, Dieu nous a donné ce livre que je vais lire moi-même. Écoutez la parole de l'Éternel, les habitants de la terre. Boyoka liloba na nkolo bino bato ya mokili. Nekokoma bakomi écoutez la parole de l'Éternel, les enfants d'Israël. Mais ici on a dit boyoka liloba na nkolo bino bana ya Israël. Écoutez la parole de l'Éternel, les habitants de la terre. Bino bato ya mokili boyoka liloba na nkolo. Car l'Éternel a un procès avec les habitants du monde. L'Éternel a un procès avec les habitants du monde. Parce qu'il n'y a point de vérité. De vérité, zate lokuta remplacer vérité. Bato bakope sakambongo. Pona kokosa mutu azimbongo apesi na ya botoli mususu lopango kaka boye na lokuta na munoko koteya lokuta batu bafandi boye mutu aza ko se respecter te muyibi donc muyibi est remplacé lokuta motema mabe. Donc, Nyosowana, ezo sepeli sans zambete. Tout cela ne plaît jamais à Dieu parce qu'il a constaté que la vérité n'existe plus. C'est le mensonge qui a pris la place de la vérité. La vérité manque dans la bouche des gens. On est en train de voler, on est en train de tromper. On est capable même d'excroquer les parcelles d'autrui. Tout ça, Dieu a constaté que ça n'est trop. Il n'y a plus de vérité. Donc, comment on a pas juge, Moutou Aza juge, Moutou Aza Liwana, Azali magistrat, Azali juge, et puis Azali conscient, il y a bien que Bazopé Sayembo, Wata, $1,000, $2,000, $3,000, Moutouana, il y a bien qu'Azana raison, Akamati raison, Apesi Moutouana, Botolipé, Lupan, Moutouana, donc Balié Pembo, Wana, il y a bien que Makambo, Ezalukuta,
Donc, pour que le juge soit représentant de Dieu, le magistrat soit représentant de Dieu, tant que le juge soit le bagnon sauté, le bagnon soit le banga, le bazali, le bagnon soit le tosa, le bazali, mais une grande partie, le bagnon soit de façon que le bagnon bongo va faire nuire Moutou à sa raison, et ça passe, et ça passe, et ça passe, et ça passe. En tout cas, c'est pitoyable de voir qu'actuellement, il y a même des avocats et même des juges qui sont en train d'acquitter la personne qui doit être censée condamner, mais ils sont en train de condamner l'innocent. Par exemple, ils sont en train d'être corrompus. Ils peuvent prendre 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars de la personne qui doit être condamnée, mais on doit l'acquitter et condamner celui qui est innocent. Pendant qu'ils sont des juges. Or, lorsque nous parlons des juges, ce sont des représentants de Dieu. Ce n'est pas que tous les juges sont complices, mais il y a aussi ceux qui craignent Dieu, c'est vrai. Mais la majorité, la plus grande majorité, ce sont ces gens-là qui se complaisent dans de telles pratiques. Parce qu'il n'y a point de vérité. Dieu a dit, Bosolo et Zalakalisu sauté. Pourtant, la vérité, c'est ça Dieu lui-même. Point de miséricorde. Mawa et Zalakalisu sauté. Donc, au moins, Mawa n'a mis sur ma moutou et zate. Mawa et zate. Tu vois, la personne qui manque de miséricorde. Donc, Mawa et Zalakiliboso, Mawa pour le moment, Mawa et disparaître. Mawa et zate. Mawa et zomonaka, Mawa et zate. Jadis, la miséricorde existait, mais pour le moment, vous constatez noir sur blanc. Amour, il y a intérêt. Amour, il y a intérêt. Mawa et zate. Bah maintenant, c'est l'amour par intérêt, il n'y a pas de miséricorde. Même en cours de route, vous pouvez croiser quelqu'un qui est en train de pleurer, il a faim, mais il y a d'autres qui peuvent le taxer de sorcier pendant qu'il est, il n'est pas sorcier. Pourtant, il n'y a pas toujours de pitié. Parce qu'il n'y a point de vérité. Bosolo ezate. Point de miséricorde. Mao ezate. Point de connaissance de Dieu dans le monde entier. Koye banzambe na mokili mobimba ebunga. Koye banzambe za ko sambela kakate. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement prier. Koye banzambe za ko banga nzambe. Connaître Dieu, c'est craindre Dieu. Moto ya yebi nzambe zo banga nzambe. C'est lui qui craint Dieu, il doit le craindre. Donc ta pourcentage ebele abatu basambela kana bango mais bazo yebi nzambe te. Vous allez trouver beaucoup de personnes qui sont en train de prier qui mais ils ne connaissent pas Dieu. Bazo yebanga ite. Dieu dit qu'ils ne me connaissent pas. Ya mo nzambe lobi na zana prosa ko samba. C'est pourquoi il a dit j'ai un procès avec eux. Je vais comparaître avec eux. Bien aimé, connaître Dieu consiste à beaucoup de choses. Pour ayebike, ayebi peut-être ba verset azo sala musala po azo kabambongo azo ka 10 dollars 20 dollars mais na munoko na ye vérité zate lokuta motema mabe kokosela batu makambo okoko créer ba makambo ikapona kokosela mutu makambo de façon ka akepo azo convoiter ye. Vous pouvez voir quelqu'un d'autre qui est en train de prier, qui est à même de prêcher. Il se trouve devant la chair, il prêche les autres. Pendant qu'en lui, il y a toujours des mensonges, il fait de l'impudicité, il fait du n'importe quoi. Pendant qu'il se met devant les gens, il est en train de prêcher. Est-ce que nous pouvons dire qu'il connaît Dieu? Non, il ne connaît pas Dieu. Il prêche par exemple parce qu'il connaît bien les versets. Il prêche peut-être avec un but quelconque. Il prêche tout simplement. Les buts pour gagner de l'argent, mais vous pouvez le trouver en lui des calomnies et puis calomnier d'autres personnes juste pour la convoitise. Il est en train de calomnier juste pour nuire à quelqu'un d'autre. Donc parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde. Point de connaissance de Dieu dans les pays. Il n'y a que des parjures et des mensonges. Amen. Amen. Assassinat. Kobomana. Les gens sont en train de s'entretuer. Il y a que l'assassinat, vol, adultère. Ezaka koboma, koyiba, kindumba. On nise des violences, on commet des meurtres sur meurtres. Koboma nande ezali pe bazali ko violer bato. C'est pourquoi le pays se rend dans les deuils. Tina na yango mboka mubimbe kozana na matanga. Nzamba lobi lokola makambo anezali. C'est comme ça que Dieu a dit comme ces choses là existent. Le monde entier va vivre les deuils sans précédent. Tant nzamba lobi ndenge wana. Lorsque Dieu a déclaré cela. Bomoni ba matanga nanu tomonite. Nous avons vu les cas des deuils partout. Na moko na moni na télévision bazo kende fausse commune na États-Unis. États-Unis zamboka moko ezalaka soki mutu américain azobela tan Afrique ou bien azana problème ata bakangi américain moko
bakosala bitumba batindi ba avion pona kende ko sauver mutu moko menga na moni ba américain bazocha bibembe 200 bibembe na liburu moko bakomi ko kunda batu na liburu ba américain wana bazokunda batu na liburu moko bazipi bakundi 100 personnes bazipi na moni na Brésil bazokunda kunda bibembe na moni kutu awa na esika bakitu bakende ki awa babanda ko kende ko se faire soigner na Inde ba bango batiaka bibembe bazochango moto bache bibembe batumbi pozo opisere wana me batumbi bibembe ti bankunye sile bakomi ko chaba bibembe ti na kacha mai na moni des choses incroyables oyingana zo mona na miso bona kacha television nzamba lobi mboka ekokota na matanga mukili mobimba ekomona matanga. Dieu a déclaré que le monde entier va vivre les deuils. Moi-même, j'ai vu à la télévision, j'ai vu même aux États-Unis. On arrive même à enterrer les gens, beaucoup de cadavres dans une fosse commune. Pourtant, les États-Unis sont un pays très organisé. Lorsqu'on entend même un sujet américain à l'étranger qui est tombé malade, même s'il a connu un problème, les Américains sont en train de se mobiliser. Ils peuvent mobiliser même les avions pour aller récupérer leur sujet américain. Mais j'ai vu là-bas, on est en train d'enterrer même 200 cadavres dans une fosse commune. J'ai vu des fosses communes même au Brésil. J'ai vu même en Inde ici où on n'enterre pas les gens, on est en train de les consommer. Mais on a consommé les gens. On a incinéré les cadavres à tel point que les bois étaient terminés. Nous avons dit que nous avons vivre dans 40 personnes. Donc na chambre moko obache mitukotoy. Donc ce qui malade wana ezui bato na kati ya bisango bato bazokota batondi likolo. Na wenze kutu na parlons même pas na ba wenze na biso donc bato ba finani lokola ba sardine. Na bi me malade wana soki ya. Toko kufa ndenge ni. Espoir ka ke panza. Ya onde toki mela ke panza. Po ye panza boko lo bana bato susu te to rotokende ba kondi mate. Ce qu'on a la charge, c'est un serviteur de Dieu qui a la charge à battre. Au Kokima, il y a des gens qui ont révélation. Il y a des procès. Oui, mais Satan profite à peine de procès dans Zambé. Ce qui est dit, c'est que Satan profite. Il y a des gens qui ont dit que le corona. Il y a des corona qui ont dit que donc, il profite en désordre. Si tu as dit que c'est la fin du monde. Je suis incurable. En tout cas, moi j'ai compris que si les États-Unis sont arrivés au bout de leur pensée, je me suis posé alors la question. Nous ici qui vivons dans des conditions très mauvaises, où vous allez trouver dans une maison la promiscuité dans une maison, beaucoup d'enfants dans une même pièce qui dorment par-ci par-là, même quand nous allons au marché, n'en parlons pas. Dans les transports en commun, n'en parlons pas. Nous nous sommes dit, mais où est-ce que nous pouvons aboutir? C'est comme ça que nous nous sommes dit, notre lieu de refuge, il n'y a que chez Dieu. Nous allons nous réfugier chez Dieu. Je sais que ce n'était pas seulement moi qui avais prié. Il y avait beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui avaient prié. Mais lorsque vous avez la charge, vous allez prier pour les gens. Parce que vous pouvez inviter d'autres personnes à venir prier, ils peuvent vous aider. Mais parce que vous avez la charge, vous allez vous impliquer dans la prière. Lorsque nous nous sommes donnés dans la prière, Dieu nous a donné cette révélation. Dieu nous a donné ce verset que je vais donner aujourd'hui. C'est la réponse que Dieu nous avait donnée. Nous avons appelé ça qui est dans Philippiens chapitre. Dieu nous a donné le livre de Philippiens chapitre 2. Alobi qui a élevé Jésus-Christ. Il a dit qu'il a élevé Jésus-Christ. Il a élevé le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu. Parce que domaine yamabolongo est un domaine réservé ka ipanzam. Parce que le domaine de mettre les genoux par terre, c'est un domaine réservé uniquement à Dieu. Mais ce qui nzamba komi koloba ke tofuka mela Jésus-Christ, cela veut dire Jésus-Christ est Dieu. Lorsque Dieu commence à dire que nous puissions nous agenouiller devant Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ lui-même qui est Dieu.
Dieu. Parce qu'on ne peut pas s'agenouiller devant n'importe quelle autre personne si ce n'est qu'à Dieu lui-même. Et lorsque Jésus-Christ a porté la chair humaine pour descendre ici sur la terre, lorsqu'il a été né chez une femme, il s'est humilié, il est devenu comme tout autre homme, il a suivi la directive de Dieu, il a été arrêté, il a été flagellé, il a été tué. Amen. À partir d'un militaire, wazaki na ngoa nande sali ke nzambe ayeko eleve kombo na ye likolo ya ba kombo nyonso. À partir de l'humilité qu'il avait portée, c'est ce qui a fait que Dieu puisse élever souverainement son nom au-dessus de tous les autres noms. Soué nzambe zali ke biso tozala modèle tolanda modèle ya Jésus-Christ oyo asimiliaki tosimiliaka liboso ya nzambe tosimiliaka pe liboso ya moto tozomona omikomisa neti moto za moto pamba liboso ya moto soki ozosala ndenge wana nzambe pe akoeleve nzambe akostabilize vie na yo nzambe akopesa vie éternelle. Le souhait de notre Dieu est que nous puissions suivre notre modèle qui est Jésus-Christ. Nous devons apprendre à nous humilier. L'humilité d'abord, nous devons nous humilier devant notre Dieu, ensuite nous humilier devant notre prochain. Et lorsque tu vas apprendre à t'humilier devant ton prochain, c'est alors que Dieu va aussi t'élever, Dieu va aussi te récompenser en retour. Nzambe tango ya zo mona humilité ngote na kati ya bato ko mana esprit ka supérieur ka kanga na leki na oyebi ke ba disciple ya nzambe ba ya Jésus-Christ baloba ki menani oya kozala likoso ya mususu na kati na biso Jésus-Christ alobi oya kolinga kozala liboso oya komikomisa lokola mwana oya kosala de façon ke mususu amona mususu neti aleki ye do soki tozaka na kati ya compétition ngana zo leka ngana leki okoleko kokende wapi biso nyoso tokokufa. Est-ce que tu as un peu de Lorsque Dieu avait constaté l'absence de cette humilité dans les chefs de beaucoup d'humanité, cela était difficile. Mais vous savez, même les disciples de Jésus-Christ avaient posé la question de savoir qui peut être grand parmi nous. Jésus leur avait répondu que celui qui veut être grand, il doit d'abord s'humilier, il doit d'abord devenir comme un enfant. C'est celui-là qui deviendra grand. Alors lorsque nous devons nous humilier, c'est ce qui est important. Mais cela était absent. Parmi les gens, on voit seulement les complexes de supériorité. Chacun cherche toujours à dépasser l'autre. Il prétend être supérieur par rapport aux autres. Non, on ne doit pas être supérieur par rapport aux autres. Ce qui est plus important, c'est nous humilier. Parce qu'on va reconnaître celui qui est plus grand lorsque nous allons mourir. Lorsque nous allons mourir, là où nous irons, va déterminer celui qui est grand. Or, la personne qui connaît Dieu, c'est celui-là qui est grand. Est-ce que eloko nini yoko sala oko vivre na lola oko kufa kaka kotika yango biso to mona bato batika ba mbongo etonda na kati ya banda mais soki muto ayebi nzambe azoko mona ka biloko nyoso eza pam eza 0,00 tala ba mboka ndenge ezali wana oko mona mboka ekufi kufi ekufi kufi bande ko donko somona ke muto alingi ka koyiba ko ozo yiba mbongo ko tondisa ngonda ku mobimba ba brick ba ram na bara okoti boyo monya okoti okokufa ko tika yang e muto ayebi nzambe akolinga ko sala makama lamu e papa akolinga ko sala ke batu mususu ba lia malam akolinga ko sika ba mususu ba lata pe malam ba mususu pe bazala malam ko yeba nzambe ha ezelo ko moko kashie. Assez ma casse.
Lorsque nous constatons ici en Afrique et particulièrement ici au Congo où on trouve un pays qui est riche, extrêmement riche, un pays plein de la richesse qu'on ne peut pas comparer dans d'autres pays. Mais vous allez trouver quelqu'un, lorsqu'on le place quelque part, même pour occuper un poste de direction quelque part, en un bref délai, il va emmagasiner beaucoup d'argent. Il peut même remplir beaucoup de chambres et de chambres d'argent. Vous entrez comme ça, vous trouvez des rames et des rames d'argent. Mais ça c'est quoi? Ça c'est quelle volonté? Est-ce que tu ne peux pas même prendre un tout petit peu pour privilégier aussi l'intérêt des autres? Non, tu veux tout simplement t'accaparer de toute la richesse pendant que tu es en train de laisser le pays dans la ruine. Le pays est en train de se détruire. Il y a les routes qui sont en train de se dégrader. Les conditions de vie sont en train de se dégrader. Mais toi tu veux emmagasiner toute la richesse toi seul. C'est pour dire que tu vas manger différemment des autres. Quel est le repas que toi tu vas manger que les autres ne mangent pas? Puisque tu vas manger seulement les pondous que tout le monde mange, tu vas manger le poulet que tout le monde mange. Est-ce que tu peux dire tu vas vivre au ciel? Non, tu ne vivras pas au ciel. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'on ne connaît pas Dieu. Mais si quelqu'un connaît Dieu, il verra toutes ces choses là-bas comme s'il n'y a rien. En tout cas, la connaissance de Dieu, c'est vraiment quelque chose de plus caché. Puisque lorsque quelqu'un connaît Dieu, il cherchera à partager avec les autres. Il va privilégier aussi l'intérêt des autres. Il va partager avec même les démunis. C'est très important. La connaissance de Dieu, en tout cas, c'est une chose qui est cachée. Sagesse, c'est ça même le début de la sagesse, la connaissance de Dieu. Bien aimé, lorsque tu veux que Dieu puisse t'élever, tu dois connaître Dieu. Il faut avoir l'humilité. Où est-ce que tu iras? Tu iras où avec l'arrogance? Convoitise, compétition. Parce que moi j'ai la Bible à main. Mais toi tu dis que ça ce n'est pas la Bible. Moi je considère tout simplement que toi tu ne vois pas. Je vais tout simplement me moquer de toi que tu n'as pas Dieu. Parce que si tu avais des yeux, tu allais voir que j'ai la Bible à main. J'ai porté mon tricot avec mes ketchs ici. Mais toi tu dis que j'ai porté les babouches. Je vais tout simplement dire à toi, tu dois suivre les soeurs parce que tes yeux ne voient pas. Comment je peux m'engager dans une discussion pendant que toi tu ne vois pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que moi je vais garder tout simplement silence. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Ami Kitisa Kiyemoko. Se rendra obéissant jusqu'à la mort. A salié te azala moto si kino na liwa. Même jusqu'à la mort de la cour. Ata kona liwa ya ekulusu. Il a été toujours obéissant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souveraineté élevée. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Là, c'est Dieu qui a imposé. En fait, qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. La condition, c'est ça. Et que toute l'âme confesse et atola que Jésus-Christ et Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Na kembo yanzambe, le Père. Yanzambe tata. Condition. C'est ça la condition. Condition est la condition, c'est quoi? Comme Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ, il a dit que le monde entier, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs, que ce soit les pygmées, même les morts, même les vivants, ceux qui sont élevés, tout le monde, les genoux, leurs genoux doivent s'agenouiller devant Dieu. Et toute bouche, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Il est sauveur. Azali Ngolo. Alléluia. Amen. Tant qu'on a passé message, nous avons un message, on a passé message, ba mindele ba fukami. Ba soda ba fukami. Ba docteur ba fukami. Ba président ya bamboka ba fukami. Et tout le monde ba fukami ba lobi ya solo. Oyo problème ezali ka ya genou. Ya komati sans nzambe ye moko akita. To kita liboso nzambe. Ta on a lobaki yango. Bino moko bomona ki ndenge monde entier ba to ba fukamaki.
Et lorsque j'ai lancé le message que Dieu nous a donné comme vaccin, les genoux, tout le monde avait obtempéré cela. J'ai vu le blanc s'agenouiller, j'ai vu les médecins s'agenouiller, j'ai vu les chefs de l'État s'agenouiller. Tout le monde s'était agenouillé parce qu'il avait compris que pour cette fois-ci, la seule solution, on doit seulement s'agenouiller et élever le nom de Jésus-Christ. Et attends, ensemble, là, Kindengouan, Nzamba Yekoloba, que voilà, Nako Sala, quelque chose, Nako diminué, moi, Mouke. Na côté ezotal Afrique na ko diminuer ma muke na côté ezotal Afrique na ko sambela ngala bando ko sambela pepo na batu nyoso dans le monde entier na ibike nzamba telimi singa nzamba pesinga kama makasi na solaka pena nzambe nena banda ko sambela bande ko na zoye bisabino nena bandiko fuka malokola nzamba lobaki foto fuka ma na fuka ma ki na koti na katya banye ba musuba ko mona balobi mais irresponsable boye ezali kamunini botala kaka na za responsable na za mukolo Naza papa yabana, naza pasteur, na kende ko fuka maboye ko kende titi na soka na bapota na kota na maya salite. Par révélation ya Nzambe bisinga na 4h du matin, lelo ko kota na maya salite wana ya nyen. Ngai na bangi na lobi melikambu nini na kende kota na maya nyen ya quartier Mobimba, na kota na kacha manyen wana pona ko défier corona et Nzambe sali de façon que a épargner ba tebele pona prière pe ya mutu moko ko ko telema, a telemi pe ka boya sambeli. Lorsque j'ai commencé à prier, comme Dieu m'a établi comme étant le prophète des nations, Dieu m'a établi comme étant le prophète dans le monde entier. Moi, j'intercédais pour le monde entier, mais Dieu m'a révélé pour me dire, je vais temporiser un tout petit peu. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin concernant l'Afrique. Je vais l'Afrique pendant que moi j'ai prié pour le monde entier. C'est comme ça que Dieu m'avait révélé d'aller même à genoux. J'ai commencé à m'agenouiller. Dieu m'avait orienté de me jeter dans cette eau-là très sale. Vous-même, vous aviez vu, c'est une eau très sale. Voyez seulement à ma qualité ici, je suis quand même responsable. Je suis un père de famille. L'église que je dirige, mais je suis allé me jeter dans cette eau-là, tout simplement par l'orientation de Dieu. C'est Dieu qui m'avait orienté d'aller faire cela, tout cela, pour défier le coronavirus. Je vais tout simplement vous informer, peuple de Dieu. Lorsque j'ai sorti cette affaire de vaccin, et Dieu m'avait révélé cette affaire de vaccin, les blancs n'avaient pas encore pensé pour les vaccins. Ils cherchaient encore comment trouver les médicaments. Ils cherchaient encore les médicaments qui pouvaient guérir les gens. C'est ce qui arrivait que. Après, ils ont constaté qu'ils ont échoué. C'est comme ça qu'ils ont commencé à lutter pour sortir les vaccins. Pourquoi on sort les vaccins? On sort les vaccins de façon que ceux qui malades yé, de façon que lorsque la maladie vient, même si la personne est atteinte, mais et ça là est côté que la maladie ne fasse rien. Vaccin. C'est ça le travail du vaccin. Même si la personne est atteinte, mais et ça là est côté. Mais que la maladie ne fasse rien. C'est ce que Dieu m'avait dit. Nous allons vivre avec le coronavirus. Nous allons vivre avec le coronavirus. Mais il faut tomber à genoux. Mais nous devons prier à genoux. Que ces corona deviennent comme la malaria ou la fièvre typhoïde. Peuple de Dieu, je suis en train de vous dire, à partir de ma prière, à partir de ces prières ici, c'est ce qui a fait que plusieurs personnes, même telles que nous sommes avec vous, il y a plusieurs personnes qui étaient atteintes de coronavirus, mais elles ont vécu comme ça, juste comme la malaria. Pourtant, c'était le corona. Je vais juste vous informer que beaucoup de personnes qui sont en train de sillonner ici, plusieurs sont atteintes de coronavirus mais sans le savoir. Tout ça pourquoi? Juste à partir de ces vaccins que Dieu nous a donné. La preuve, la vaccination spirituelle. La preuve en est que lorsque quelqu'un cherche à voyager, il va se
faire examiner, il va passer son test de COVID, on va trouver qu'il est positif. Pendant que lui se sent en bonne santé, il peut même changer quatre places, on va trouver qu'il est positif. Pendant qu'il est en bonne santé, d'autres personnes peuvent sentir juste des petites malaises. Tout simplement pourquoi? C'est parce qu'il y a l'existence de ces vaccins que Dieu nous a déjà donné, qui est en nous. Nana sala de façon que corona bana mikeba kufa penza te to mandaki na vaccination spirituelle pona bana na déclara kango pona bana liboso wana corona yebani kutute na baki basigne kozala ba fièvre banine yango ndo bonso bana bazé épargné nyoso wana ezaka nzambe muta sala mais pour le moment nzamba lakisi biso na ba jeune na bane na ba mikolo mupepe mususu yango wana ezana kati ya koya yango ndo tozozongisa mabolongo poto zalaka na kati ya mabolongo. Neti vaccin spirituel. Même dans nos églises, si seulement on s'est décidé de faire les dépistages massifs, on va trouver beaucoup de personnes qui sont atteintes de coronavirus. Et pour tous, toutes ces personnes sont en train de marcher. Ils souffrent, mais sans le savoir. Il ne faut pas dire que c'est parce que ici nous avons beaucoup de la chaleur. Non, ce n'est pas la chaleur. Mais on dit à tout le monde que ils ont le docteur, tous ont le docteur et Pekokoufa. Ils ont le conseil, ils ont l'autorité, tous ont le Pekokoufa. Où est Zali Kamoussou? Likambo ezana kati ya koya pe dernièrement za balaki singa bato zo kufa bele na bana na ba mikolo na mupepe mosusu ya corona na zo yebisa bino Kinshasa monde entier boyeba ke corona ezali na Kinshasa na zo yebisa bino corona ezali eye pe na mupepe mosusu ya mabe ya koboma yango ndo moni tozokisi mabolongo tobi tozonga na mabolongo tosambela de façon que to diminue yango to diminue puissance nango po tango banyoka ba manda kuswa bato. Dans la période de Moïse, bah, l'on voit qu'il est en Zambé, bah, on soit battu. Moïse a yaki, Zamba, il s'est attelé, mais ça n'y a pas de soussou. Mais tant qu'on a tellement de soussou, il n'y a pas de soussou. Bah, tu vas foutre à maki. Voilà que tu as la nyokawana. Nyokawana, déjà, c'est ce que tu as fait à Mela. Mais bah, nyoka moussou, on va pas quitter. Bah, maintenant qu'on soit battu. Bah, si battu, bah, tu vas t'aller nyoka à l'icolo. Bah, si battu, bah, t'aller nyoka à l'icolo. Corona est quoi, ya? Et si battu, tu t'aller nyoka à l'icolo. Jésus-Christ, et que ça l'a dépouillé. Nous devons nous humilier et nous agenouiller devant notre Dieu pour être sauvés. À l'exemple de ce qui était arrivé aux enfants d'Israël dans le désert, lorsqu'ils étaient en train d'être mordus par d'autres serpents, ils devaient tout simplement s'agenouiller et fixer le regard sur le serpent de reins que Moïse avait soulevé. Mais le petit serpent qui les mordait n'était pas mort. Ce petit serpent continuait toujours à les mordre. Mais une fois qu'on t'est mort, tu regardes juste vers ce serpent de reins. Tu t'agenouilles, tu regardes sur le serpent de reins que Moïse avait soulevé et là tu conserves la vie. C'est pour dire quoi? Le coronavirus est en train de ravager ici à Kinshasa. Les Kinois, suivez-moi, je vais vous dire, le coronavirus existe bel et bien et une autre vague est venue très efficace et très méchante que les premières qui se sont passées. Nous devons apprendre à nous agenouiller, nous devons élever notre Dieu. Dieu nous a montré beaucoup de cas de décès, que ce soit les grandes personnes, même les petits enfants, ils sont en train de mourir en désordre. Apprenons à nous agenouiller et fixer les regard vers Jésus-Christ. Ceux qui basent le bas, to garder ba distanciation et puis to là t'as ba cache-nez. Il faut tout ça la kayango parce que attends tous ensemble les deux tous ensemble les boys. To chaque ba qui s'engouffre na cache andak. Pour une to chaque ba qui s'engouffre. To chaque angou pour bangouffre. Bas soit biso tous en malaria te. To chaque après ba moustiquaire na cache bandak on a biso. Pour une ni pour malaria so biso te. Et ceux qui basent le bip que à tous ensemble la ya solo. Osala kondima mais il faut que osala peine na base wana hygiénique osala peine ngode façon ko préserver de cola biloko wana sala kacha ko yana ndenga moko mabe wana to salela yango normalement il faut to salela yango soki balobi to garder distanciation to garder ngo to lata ba biloko ata bosala kacha ndako lata ba kacha neno yo osali wana na kacha église to lata yango. Tous ces salés là, tout le monde va exalité. Ngai na zoebi sabino za prophète, na zoebi sabino que maladie exali, ezana kati ya koya na ndenga bien te. Tous ces sabes de façon que tout dépouiller yango, tout dit meu puissance nango, tout dit meu puissance na kati ya mabolongo soki ezuyo. Ezu atabana na ezuyo esale lo côté. Yango ne tous ces mabolongo lelo, tous ces sabela ndena lobi na batu nyoso na monde entier bozola ndanga. Ba mindele, ba tumwindu, monde entier na Kinshasa na Congo mobimba.
tofuka manase tomatisa kombwa Jésus yaonde vaccin et puis vaccin au bazo pe service toko boya yango te pweza vaccin azoto toko kikozo yango et ça vaccin azoto ngala zo lobela vaccin spirituel mais na lobeli na boyi vaccin mususu wana te wana za vaccin ya mokili bakoko pesa batu mais vaccin ngala zo lobela za spirituel ngala za nom spirituel na yela ona makambo spirituel na yeli na makambo charnelité donc na yeli na makambo spirituel na zo lobela na zela na spirituel. Alléluia. Amen. Lorsque les autorités sont en train d'édicter les mesures barrières, nous devons les respecter, notamment porter les cache-nez, notamment se laver régulièrement les mains, que ce soit à l'église, même chez vous, à la maison, vous devez toujours vous protéger. Vous ne pouvez pas faire semblant sous prétexte que vous priez pour dire non, moi je suis en train de prier, je ne peux pas observer les mesures barrières. Non, non, vous devez faire tout ça parce que c'est selon la chair que nous le faisons, même dans nos maisons. Nous sommes en train d'appliquer même les insecticides dans la maison. On applique même les anti-moustiques dans la maison. Nous passons aussi nuit dans des moustiquaires dans la maison. Tout ça pourquoi? Pour nous protéger. Il en est de même aussi des coronavirus. On doit se protéger tout en respectant les mesures barrières. Mais le plus comble, c'est quoi? Nous devons nous agenouiller. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ. Je m'adresse au monde entier, que ce soit les blancs, que ce soit les noirs. Les genoux sont les vaccins par excellence. On doit prier pour notre pays. Pour que le coronavirus ne fasse pas des effets initialement prévus. C'est pourquoi nous allons prier pour notre pays. Toujours dans la même requête. Tous, on va s'agenouiller. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Alléluia, Kembona Yahweh. Yesu Christo alongiliwa. Alleluia, alleluia. 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 Yesu. Yemba alleluia. Yo yo. Alleluia. Alleluia. Alléluia, yes solo. Alléluia, 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 kudenga. Alléluia, kutumba kutumbi kwa zambi wa moye. Alléluia, 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 kutumba zambi wa moye. Alléluia. Il y a un peu de temps pour reconnaître que ceux qui sont là,
et loco moko ba mekonye la bisote ezala ba koronango et ko sala bisolo et on tant to fuka mi boye na ba onyo so ba fuka mi au même moment o bito so talana onyo so ba fuka mi ata ba yebi tete fuka mi awa ba sa na katia ko so vaccin au nom de Jésus-Christ. Et makila na yo sana katia ko kita na katia mboka Congo makilezo kita pona ko sokola kolongola biso ba salite ba péché sokola biso salele biso grâce lokola to fuka mi liboso na yo tozo mérité pardon et pa na yo tozo mérité pe pardon ya mboka na biso na ba péché yo so ba mosusu asala nzambe elimbisa pona monde entier makila na yo eyaki pona monde entier eponi pe kutute au nom de Jésus-Christ. Zamba pambola bino nyoso bozana katia ndaku Zamba pambola bino nyoso bozana katia kolanda Zamba pambola monde entier. Jésus-Christ est vivant. Il a ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est vivant. Il est le seul sauveur. Amen. Et le seul Seigneur. Amen. Nous l'adorons parce qu'il est au-dessus de tout. Amen. De tous les noms. Amen. Nous sommes à genoux à ce moment pour montrer que c'est lui qui est Dieu à adorer. Il n'y a personne qu'on peut adorer. Amen. Et c'est lui qui est au-dessus des coronavirus. Amen. Et je suis sûr et certain qu'au nom de Jésus-Christ, le corona, n'importe quelle vague de corona, le corona est dépouillé aujourd'hui au Amen. Nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul Dieu. Merci. Applaudissons. Amen. Amen. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemananouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Tremplin Royal, Kanokakae.